tu sais le mot. Ouais, est-ce que je regarde, je regarde pas. C'est incroyable, toujours pas. Regarde, attends, attends, tourne à droite. Voilà. Donc c'est la suite de ce documentaire, de ce vlog de tournée que vous avez apprécié. Il nous restait trois dates, donc la Suisse, la Belgique et Paris, l'Olympia. On avait terminé, on avait un petit mois entre la fin des premières dates et celle-là. Et là, c'est les images que vous allez voir. Donc toujours pareil, dans la même énergie, la suite logique de la première partie. On espère que vous allez kiffer, on est très contents. Et surtout, surtout, c'est pas la fin. Parce qu'il y aura d'autres dates, on vous l'a déjà dit, le Nord, la Bretagne et tout. Vous restez connectés, j'ai 71 ans. Il va être dans l'intro. Tu es dans l'intro de la vidéo de dimanche. Tiens, tu veux une Coke Rhinoshield? Bien sûr. Tiens, voilà, cadeau. Oh là là, c'est de la corruption. Tiens, je te l'offre, la Deadpool. Mais non. Mais si. Avant. En plus, celle-là, je vous la laisse parce que moi j'ai. Parce que je l'aime pas. Ça va, tu vas bien? Tranquille. Tranquille. T'es dans l'intro, mec. Tenons les bains, mec, c'est magnifique. Ouais. C'est là où est née ma femme. C'est là où est née ma mère. Et bah ta mère et ma femme sont la même personne. Aïe aïe aïe. Paris Saint-Germain, vous pouvez offrir aux potes si jamais ça vous plaît pas. Ah ouais. Tiens, One Piece, Haribo. Haribo. Ça c'est toutes les nouvelles collections, Rhinoshield, Star Wars, Haribo et le fameux mashup Naruto, Hello Kitty. Ah ouais. Et aussi Marvel aussi. Juste avant que tu partes au foot, code, ouais. Il faut un code promo les gars. Maxime et Louis. Avec le code Max et Louis, vous avez 10% de réduction sur tout Rhinoshield pendant 48 heures. Allez-y, vous avez vu les nouvelles coques, il y en a plein, il y a plein de nouvelles collections et il y en a très souvent, c'est souvent mis à jour. Merci Rhinoshield d'être notre partenaire à l'année. C'est vous qui envoyez la suite du docu musical. Max c'est bon. Et toi Louis? Abonnez-vous. C'est des bisous maintenant. Maintenant ça envoie des bisous. Ciao les gars, merci beaucoup. Ah, merci à vous. Bonne vidéo. Ouais, bien et toi? Ça va? Bien, ouais. On est tous trop contents de vous voir. Tu vas bien la vie? Tranquille? C'est reparti! Voilà ce qu'on aime, rouler, aller voir les gens jouer. Il y a un truc qu'il faut qu'on aille voir ensemble. Je vais me retourner et on va voir s'il y a toujours l'animal jaune. Notre mascotte, l'animal jaune. Non. Coup dur. Non. Je suis pas sûr qu'on va peut-être annuler. On va annuler la date, les gars. Il n'y a plus l'animal jaune, c'est fini, c'est pas la peine de partir. Salut l'équipe! Merci hein. Putain mais je pourrais être, mais y'a aucun souci, c'est chez moi, c'est devenu chez moi. Sauf qu'il y a Trio entre temps qui est venu chez moi. Là, va falloir se la réapproprier là. Oh, ça va aller très très vite. 2-3 paix, un coussin, une petite anime. C'est pas compliqué, ça va très vite hein. Puis c'est la nuit. On est là et je tiens à dire, je vous remercie pour vos retours sur la partie 1 du docu. Voilà, ça fait trop plaisir de voir que vous avez kiffé. Nous aussi on kiffe et du coup vous le ressentez. Là c'est parti pour 3 dates. Tonex à côté de Genève, Bruxelles et Paris l'Olympia. Et tout de suite extrait de ce que ça va donner. Moment très très important, j'ouvre le frigo, est-ce que je suis déçu ou non? Vous allez le voir sur mon visage. Non, ça va. Ton projet là de gars c'était de me jeter ta... Je me suis dit, il fallait que je fasse une intervention pour... Mais vite, dis bonjour aux gens, ils t'aiment maintenant, ils ont vu ton corps magnifique. Dis bonjour aux gens. Bon d'accord, il veut se brosser les dents. Ta carte d'identité est périmée? Bah bien sûr. Eh bien, il me dit pas bien sûr. Bah bien sûr, t'es con ou quoi? Tu passes pas la frontière suisse avec un permis de conduire. Et j'ai que un permis de conduire. J'ai que ça, j'ai rien. Et mon passeport, il est encore plus vieux. D'accord. Okay. Camille, il faut trouver un bassiste suisse. Carl est pas avec nous parce qu'il voulait se reposer et venir demain en train. Ah, c'est ça qui vient. On est avec Florian en montage de cette deuxième partie. D'ailleurs, très bon montage, merci Flo. Et je découvre que mes musiciens et mes potes s'éclatent sans moi. C'est l'éclate. Là, ce que je vois, ça, c'est de la pure éclate entre potes. Ça va, bien dormi? Ça va et toi? À la découverte de la salle, allez bien. C'est tellement suisse, sauce suisse. C'est-à-dire c'est nickel, c'est propre.
C'est très bien conçu. Oh, le mec, il filme la sortie des chiottes. Très bonne sensation. Bah écoute, y'a rien à dire. J'ai pissé impeccable. Ouais. Je peux pas vous dire mieux. Des œufs verts. Non, ils sont durs. C'est des œufs durs que t'achètes directement au supermarché. Ça existe en Suisse et pas en France. Tournée, oui, mais quand même mise en ligne de vidéo ce matin. Petite vidéo chaîne secondaire. C'est une petite vidéo où on refait nos jeux de récré de notre enfance, là, des années 90. Avec Jérôme Niel et Maxime Gastoy. Divertis la caméra, go go Vince. Roger, est-ce que tu veux avoir l'honneur de mettre en ligne la vidéo? 10h, vas-y. Oui. C'est Roger qui a mis en ligne. Bien, ouais. Merci. Impeccable. Je dis pas que tu l'as eu. C'était pas exprès. Ah non, pas du tout. Si ce petit moment, on explore un peu les alentours. On s'imprègne un peu de l'énergie de la ville. Il y a une grosse énergie à Tonex. Tonnet, mais non, mais ça c'est pas possible. Ah, mais c'est Tonex. Non, mais c'est sûr que c'est Tonex. On va tout simplement regarder demander à cette dame qui a une demi-casquette. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, petite question. On dit Tonex ou Tonnet? On dit Tonnet. Tonnet. Voilà. Ah bah voilà. Il n'y a pas le XE. Le XE, c'est un XE. On l'oublie. Fictif. Ok. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. T'as pas entendu? Bah Tonnet. Tonnet. Non. Ah si, j'ai entendu. C'est toi qui as fait que c'est dans le fond. Tonnet. Voilà. Ah bah voilà. Le métier de mes rêves est juste là, testeur de chips. Je scanne le QR code, faut que je participe. Mec, testeur de chips, tu te rends compte le nom du métier? Toujours un bon moment de manger avec l'équipe. Et bonne chance pour ce soir tout le monde. Je regarde Prisoners de Denis Villeneuve, là, je me refais la filmo en arrière. C'est bon, tu peux, Vince? Vous connaissez pour Blade Runner 2049, Dune ou Premier Contact. C'est bon Vince. Mon acteur de prédilection à l'époque c'était Jake Gyllenhaal, qui est pour moi dans le top 3. Il s'en est un peu séparé ces derniers temps au profit de Chalamet, etc. Enfin, y a pas d'animosité, mais... Et on en parle avec Martin et je pense pouvoir dire, avec peut-être Paul Thomas Anderson, que c'est peut-être le plus grand réal moderne, quoi. C'est monstrueux à tous les niveaux. C'est des grands films. Devine ce que je vais faire. Un gros dodo. Non. Un gros pipi. Non. Voilà la deuxième partie du film Prisoners de Denis Villeneuve. Suivi d'un dodo, suivi d'un icto sur scène. On a trois. On attend ça depuis un mois. Demande aux gens en commentaire de dire s'ils préfèrent en jaune. Vous préférez jaune, vert ou bleu? Attends, tu montes du doigt comme ça? Oui, tu montes du doigt. Qui? Où là? À chaque fois que tu fais ça, j'aime, hein, mec. Bien sûr que si. Tu sais que tu peux parler sans, entre. Retrouvez-moi la semaine prochaine, dans le nouveau programme. Une serviette, non, éventuellement. Ah non, mais ça, parce que moi, j'ai l'instinct TripAdvisor qui revient vite. Hein. Et puis, c'est notre première tournée, mais c'est pas notre première date. On va demander gentiment, quand même. Parce qu'on n'est pas des rockstars. On va... Une serviette! Ah, t'as vu, il y en a une qui est venue. Putain, c'est incroyable ça. Tu sens bon. Ouais, j'ai mis un petit dos là de Camille là. Là je donne tout les gars, j'ai compris, il fallait faire de l'entertainment. Ouais, mais là c'est mortel ce que tu offres là. Là je fais. Ça, ouais, c'est ouf ça. Ouais, ça c'est. Gars, ça, je pense que... En accéléré. Avec du riz dedans, tu regardes un point fixe et tu décales sans bouger la tête. Et là, et en fait moi je sais plus faire ça. Comme mon corps il a. Enregistrer une douleur. Ah oui, je veux pas y aller. Ouais. Putain, on l'a la cam, les gars, on a le premier moment de vie. Let's go. Demain c'est le feu, après-demain c'est le feu. Donc. Là on est bien. Tranquille, on se met en jambes. À 3, on crie un mot en A qui n'existe pas. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Allez, pas mal, pas mal. Allez, allez les gars. Suivez-nous les gars! Attendez! Non mais tu imagines! Oh. 1, 2, 3, 4! Le truc de dingue! Imagine-tu?
ils m'ont dit, les Suisses. Tranquille, tranquille. Non, mais frère, non. Énergie de ouf, les skis te donnent, hein, moi, mais c'est. C'est une addiction, c'est pas possible. Les gars, on fait la photo de fond, on est chaud, si vous voulez être dessus, faut gueuler, levez les bras. Ça me fait trop du bien, en fait, de faire ça de temps en temps dans ma vie. C'est fou, ça me libère vraiment. Et là, en plus, ce soir, je suis vraiment un peu devenu fou. Sur scène. Genre, j'arrivais même plus à dire une phrase au bout d'un moment, je disais de la merde. En ayant tout donné, en ayant foutu un putain de bordel, j'arrive même pas à faire ma phrase. J'ai trop hâte que de mardi, là, à l'Olympia, j'ai trop hâte. Oh, que t'es belle. Oh là là, vous êtes très 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 belles les deux là, c'est très très chaud. Dis-lui que je m'embrasse bien fort, bien partout. Stella, est-ce que tu vas très très bien dormir cette nuit? D'accord. Elle attend. On va partir sur un rêve, écoute-moi bien. Un ciel étoilé, ok. Ciel avec étoile et tapis volant, d'accord. Toi, tu voles sur le tapis, tu choisis avec qui tu veux. Avec qui tu vas voler sur le tapis, dis-moi vite. Jonah, ok. Jonah et toi sur un tapis volant. Merci chérie, à toutes. C'est trop mignon. C'est important. Il y a de grandes possibilités qu'elle rêve de ça. Allez. C'est vraiment un cadeau. J'ai vu tout Lock and Key, c'était formidable et voilà, et un petit, j'appelle ça side. C'est peut-être un peu énervant quand je dis un side. Juste un projet à part quoi. Ça fait quoi d'être arrivé à Bruxelles là? Je suis content. Alors fais gaffe, on dit Bruxelles, sinon ils vont venir. Les Belges, attention. J'ai hâte de les voir. Ils ont la meilleure réputation du monde, avec le Nord et la Bretagne. Donc, on va voir. Le Wheezy Gang vous lâche un défi les gars, tu l'as vu ou pas? Je vous donne 6 mois pour vous entraîner de ouf et on se fait un 20 mètres ensemble. C'est quoi un 20 mètres? C'est tout 20 mètres. Mais 20 mètres je le fais sans entraînement moi. Mais toi ça te fait peur juste la hauteur? Non mais rappelle-toi, sauter dans l'eau. C'est moi je peux sauter dans l'eau d'un hélico. Ah, ouais? Ah oui, j'ai un rapport très bizarre. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, je dois avouer. Mais toi aussi tu le fais ça, je pense. Je pense que je vais être long, hein, si je dois réfléchir. Un peu excitant, Wheezy Gang. Ça a l'air pas mal. Vos corps sont beaux. Voilà pour l'instant ma réponse à votre défi. Et l'after, parle-nous de l'after. Là, on est déjà à 150 personnes. Et du coup, il y a la bouffe, il y a de la musique, il y a tout. Il y a de la bouffe, il y a à manger. Il y a de la bouffe et à manger. Ouais. Putain, mais calme, c'est ouf, il y a de la bouffe et à manger. Mais c'est nouveau ça. Il y a de la bouffe et à manger, et plus à manger que de la bouffe. Mais après, je vais voir si je peux arranger. Tu peux avoir 50-50 au moins, quoi. C'est Camille, elle est incroyable. Camille, c'est comment de bosser avec nous? Trop long, la réponse est bien. Non. Ça va être chaud. Putain, le problème, c'est que comme elle est ronde là sur le côté, t'es loin des gens de ouf. Est-ce qu'on peut monter là-dessus? Oui. On peut monter là-dessus, ouais. Ah, ça c'est cool. Putain, on peut pas les rapprocher un peu, les crânes? Je l'ai déjà fait, les gars. J'ai gratté 50 cm par rapport à ce qui était ce matin. Je suis con, il y a Thomas, évidemment. On est allé au max. Évidemment que Thomas a fait le max. Par contre, ça sent que ça va être le bordel. Ça sent très bon. Tu sens le... Putain, le début de hockey boomer, je vais me le faire là. Être allergique au gluten, c'est à la mode hockey boomer. Je déteste les crash barrières. Et eux, pourquoi parfois il y a des crashs, parfois non? La fonction de la crash, ça protège à la fois le public et à la fois la scène. Personne ne peut être écrasé contre la scène et on peut évacuer les gens. C'est ça surtout, on peut évacuer les gens. 1000 personnes ici ce soir, ça va être dantesque. La médique, on nous a tellement parlé de vous, donc aujourd'hui mon groupe et moi sommes au rendez-vous. J'ai fait rimer vous avec vous et je m'en bats les couilles! Merci à tous! Merci, c'était super comme d'habitude! J'ai le merch. Oh. Ouais. Nice. Tu veux le t-shirt? Ouais, la pression est cool. Énorme. Ça le fait, non, les gars? Impeccable. Gars, tout est parti de ta photo. Ouais. Hein? De nos photos avec Laura. C'est validé. Yes. Ouais, franchement, mec, ça claque. Allez. Regarde. Oh, ta mère l'a pu. Mais oui, regarde. Ah, c'est pour moi. Ah, Maxence. Ah bah ouais, pour toi c'est parfait. J'allais bouder Maxence parce qu'il va voir Angèle ce soir et pas nous. On joue le même soir qu'Angèle, ce qui est fou. Ce qui... Et j'allais bouder Maxence, mais en fait c'est bon. Il vient demain à l'Olympia. Ça va partir comme ça. Non, j'ai pas trop avant de conserver Lolo. Oui, oh là. Venez, on va voir Angèle ce soir. Oh, au lieu de jouer.
franchement, je kiffe le t-shirt, la McFly et Carlito, le logo comme ça, c'est vraiment mon... Moi, c'est mes goûts, quoi, en fait. Je suis hyper content, vraiment, les gars, merci. C'est exactement le t-shirt que je voulais. Ouais, ça fait plaisir. Hein. En plus, il y a toutes les dates de la tournée dans le dos, t'as vu, il y a toutes les villes. Ça représente bien ce que tu apportes au projet, Romain. Eh bien, allez, je vous laisse lire tranquille. Isaac, il lit les Simpsons en BD en ce moment. Et Jonah, il commence à lire tout seul. Ouais, c'est pas mal. Il faut le savoir. Ça, on reste humble et tout, mais on profite avec un peu d'acquis, un petit peu d'acquis. Moi, je l'ai ressenti, je sens vous aussi. Allons-y avec cette même vibe. Ensuite, on va se manger beaucoup d'énergie dans la tête. Utilisons-la pour se faire du grand plaisir et la ressortir dans la musique. Héros des arts, tu veux nous faire la guerre? Par Dieu, CB. Ça prend ton maudit, ça prend ta caddie, ça prend ta CB. Dans cette énergie, on la contrôle pas surtout. On la prend et on la revoit. Hey, c'est la baga Chiquita. Pourquoi je vais déjà quitter? On va faire un cri très simple. On va dire quelque chose qu'on déteste chez nous. D'accord? La boule de l'Union! Let's go, les gars! Il y a quelqu'un? Encore? Okay. C'est vrai que c'est une très 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 grosse soirée. Les amis, il y a encore quelqu'un? C'est pas malaise, ouais, c'est le record. Donc, pas malaise, c'est le record. Mais t'as vu, c'était super. Ah ouais, ouais, hyper bienveillant. Allez, à demain. Et demain, on va où? À Paris! T'as vu les musiciens, ils ont une équipe. Tu vas voir, ils vont pas lâcher. L'Olympia, tout le monde est là, tout le monde se met la pression. Ah, faut kiffer. On a une rigueur de base, tu vas voir, ils vont pas. Ils vont se stresser là. Mais. Je sais pas ce que c'est comme genre. Je vois ce que vous voulez dire pour les quelques pépins. Je vous dis, hein, c'est rien du tout. Y en a eu des, et surtout, c'est pas grave quand c'est au service de la oui, joie. Oui, oui, de la joie, je suis d'accord. Ça, c'est pas grave. Et au contraire, c'est même bien. Ah, oui. Mais bon, voilà. Moi, je vous préfère joyeux, bougeant, oui. Sueur. Avec quelques pépins, ouais. C'est carré, je vous le dis. Mais oui, t'as vu la daronne là, à droite. Oh, ouais, je lui chantais mot de passe. Ouais, ouais, j'ai la première note à la dernière, elle chantait trop de mots de passe. J'étais là, j'ai dit, ah ok. T'as des darons qui kiffent aussi ça, allez, ça, on y ça, va. Ça, les gars, on a quand même de la chance. Ouais, dire ce qui est, parce qu'on fait un album qui prend pas des masses, mais même s'il prend pas des masses, on a quand même des salles remplies de gens qui chantent toutes les paroles d'un chanson. Donc c'est ça que je c'est quand même incroyable. La chance qu'on a. Demain Olympia, donc vous couchez avec le sabre de Zoro. J'ai un sabre, hein, ça n'a pas de temps. Oh my god, mais vous allez attraper un rhume. Ah, okay. Tu peux faire une dédicace ou pas? Laura et Palor, bisous. Merci beaucoup. Mon style est dingue. Regarde le style. Je dirais que je vais partir sur mon bateau, mais... Merci, putain, merci. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Bruxelles. On se souviendra. Oh ah, t'es bien là, t'as envie de dormir là. Oh, quel bébé. Si vous saviez à quel point c'est un bébé en fait, un bébé cadom. Demain, on va retrouver Astrid. Ah voilà, il va retrouver, il est content. Il a demandé en mariage. Est-ce que tu veux bien devenir ma femme, Astrid, s'il te plaît? Elle a dit oui, c'est un miracle. Enfin, vous imaginez pas à quel point c'est un miracle qu'il y ait une femme qui a accepté de passer sa vie. Marqué. Cette chose. Il ne reste plus grand chose. Non mais c'est évidemment qu'il est heureux.
passer derrière moi, c'est ça? Je regarderai pas. J'attends Carlito pour regarder, d'accord? Hey! Ça va, t'as dormi alors? Ouais, et toi? C'est trop bien, je t'ai pas vu encore derrière. T'as réussi à dormir? Ah non, moi j'ai très peu dormi, pardon. Toi d'après, tu fais une pièce d'après là-bas? Non, mais j'étais bien. J'étais trop bien, je me suis détendu, c'était trop bien. Ah, t'as vu, toi, t'as regardé ou pas encore? J'ai un peu regardé. Ah, bah. Mais pas. Si, c'est incroyable. Je me retourne? Allez. 1, 2, 3. Tu vois avec du recul vers toi. C'est parfait, c'est bien fini comme j'aime. Bonne nouvelle, j'ai la voix qui est abîmée, j'ai la voix cassée pour ce soir. Ça tombe bien, c'est pas l'Olympia. Franchement, j'ai peur, je vais peut-être, ça se trouve, je vais devoir prendre de la cortisone. Putain, là. Chier, évidemment, l'Olympia. J'arrive pas, hein. T'entends? Ça bouge, ça tient pas là. Je suis trop énervé avec les Belges hier, j'ai trop gueulé, j'ai trop chauffé la salle. On y est, hein? Dans l'ascenseur, grave. C'est fou, t'en as fait tout ça pour être dans l'ascenseur de l'Olympia, ça fait quelque chose, hein? On m'a plus que conseillé ton art. Alors, bah, moi je m'appelle Poppy, mon salon il est à Bonhomme, donc ça s'appelle Bonhomme et il est à rue Saint-Denis, Montorgueil. On a plusieurs shops, mais vous pouvez aller voir sur Instagram. J'ai jamais été rasé, tendu comme ça, quoi, c'est trop bien. David a un peu la voix cassée. Super. Petite angoisse, du jour J. J'ose pas. Je peux pas la faire, il va falloir que je la baisse, hein. Je peux la baisser, à la limite, elle lasse. J'ose pas, je peux la baisser dans demi-ton ou d'un ton si vraiment c'est assez chaud. Mais mot de passe robuste. J'aurais dû le noter. On m'appelle l'ovni. Oh waouh! La salle elle remonte là derrière, t'as vu? C'est dingue, hein? C'est génial pour les gens qui sont debout, ça. C'est la plus grosse salle qu'on ait faite de cette tournée, clairement. C'est vrai. 2005, la capacité, on est à 2000. Choqué, bravo. Choqué, boomer. Yes, oui. Très bien, pas stressé, un peu fatigué de la Belgique et de la Suisse quand même, c'était énorme. Et du coup, je stocke. J'ai 2 heures là pour tout stocker, tu vois ce que je veux dire? Repos, repos, repos. Et après, je suis bien. Il y a tellement, surtout toute la famille, tous les potes, c'est ça qui ça fait. C'est vraiment la fête ce soir, tu vois ce que je veux dire? T'es content d'être là, Léo? Ben, de ouf. Je suis trop fier quand j'ai vu les lettres sur l'Olympia. Ça m'a fait un truc, j'ai pris une petite photo. Tu sais que quand on sera au milieu des gens, il n'y a plus beaucoup d'oxygène. Enfin, toi, t'es grand, mais moi, ça m'arrive, il n'y a juste plus d'air, quoi. Ah ouais? Mais ça va. Ouais. Juste, tu respires un peu en haut et c'est fini. Non, mais tu imagines! Bonsoir! Le truc de dingue! Tu verras, ça peut arriver. Non, bah, ça ne me fait pas stresser, t'inquiète. T'aurais préféré que je te le dise pas? Mmh. Mmh. Non, mais. Allez, viens, on va faire un petit selfie tous les deux. Attends, j'arrive pas à marcher le truc. J'ai bien l'intention de tout donner ce soir. One night, non, on a plusieurs. One night, mais c'est juste un menteur. One night. Ah oui, non, courez pas. Mais ils t'ont pas vu. Oui, tu savais pas? Trop génial ton concert. Papa. Je suis tout seul. Et je vais en profiter pour vous dire des vérités. Les plus absolues et tranchantes sur notre métier. Tout le monde s'entend plutôt bien. Vas-y Marc, exprime-toi. C'est une nouvelle méthode qu'on a inventée pour les gens comme McFly qui lui permettent d'expulser un peu leur agressivité. Vas-y, montre-moi comment tu fais Marc. Voilà, c'est une nouvelle méthode qu'on propose. Attention à pas casser des trucs, voilà, parfait. J'aimais beaucoup le YouTube d'avant et j'aime beaucoup le YouTube d'aujourd'hui. Je trouve que Amixem avec sa nouvelle team là c'est très fort. Et Thomas et les autres dont j'ai oublié les prénoms sont très malins. Ça marche très bien leur équipe.
Léna m'avait parlé de la haine qu'elle reçoit en live ou en virtuel. C'est terrible. C'est terrible, les gars. J'aimerais bien avoir un des gars là. Parce qu'elle se prend des trucs que vous aussi, que vous pouvez imaginer. On reçoit énormément d'amour, un peu de haine. Parfois, quand on tourne beaucoup et qu'on est plus dans la fatigue, on perçoit trop la haine, qui est peu par rapport à l'amour. Mais parfois, et c'est pour ça que c'est bien qu'on ait diminué un peu et qu'on ait plus de recul, on a conscience que c'est fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. C'est fou, les gens, qui les messages qu'on reçoit. Donc on est dans une très bonne phase psychologique, notamment avec la, entre guillemets, vengeance que représente la tournée vis-à-vis de l'album. Donc McFly dirait pas ça dans ses mots, mais moi, pour moi, c'est vengeance. Pour moi, vengez-vous. Comment tu me décrirais, moi? Bah comme un grand con, en fait, hein, un grand chicon, quoi, Mais... Hé, hey, mec, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Comment ça va? Ça va, bien. On a vendu tous les t-shirts. Tous, ils sont partis. Sold out t-shirts, c'est cool. L'Olympia, c'est de l'eau. Ok? Bonsoir! Non. On est à la maison ce soir, on est à Paname ce soir. Bonsoir! De toute façon, voilà, c'est la technique de l'oignon. Je mets beaucoup de couches pour mieux les retirer. Ah, et feuillage. Oh oui. Tu as déjà essayé le phosphore? J'adore ça, le phosphore. N'hésitez pas à vous en procurer. Confort respiratoire. Phosphore. J'ai pu entendre que c'est ça s'est très bien passé. Ouais, mais c'est trop bien, putain. Même bravo à toi, surtout. T'as pris ton pied, c'était comment? J'ai vu, ils étaient là, ils étaient au rendez-vous. J'ai l'impression que t'es assuré de ouf en plus. Je sais pas, mais à chaque refrain, ils étaient à fond. Putain. T'as pris ta dose alors? Chaud bouillant. Les gars, c'est la fête ce soir. Je sais que vous voulez faire bien. Faites bien si vous voulez. Comme l'a dit Martin, moi j'aime bien. À partir de choquer personne, commencer à lâcher les faux. Parce qu'il n'empêche qu'il n'y en aura pas beaucoup des comme ça. L'Olympia, on y va ce soir et on le retourne. Et on l'enclenche. On l'enclenche. Ok, j'ai quelque chose à dire, les gars. Vas-y. Là, depuis le début et tout, c'est vrai que je jouais vraiment pour les gens, etc. Machin. Là, ce soir, j'ai envie de jouer pour vous, mes frangins. Allez, ça fait plaisir. Parce que franchement, vous m'avez tiré vers le haut. Oui. Là, ce soir, je mets un point d'honneur à jouer vraiment pour vous. C'est beau, les amis. On joue pour NOD, pour Welfare, pour Altes, les enfants du paradis, Double QMI. C'est ce soir, Vie électronique, on s'est assis. À trois, on crie le nom d'un rôti de veau. Ça n'a aucun sens. 1, 2, 3. Allez. Keep the light, poteau, keep the light. A tout de suite. Merci d'avoir mis le feu. Mec, ça a sauté. Ça, c'était incroyable. La vie nous tient la main. À qui? À nous les bras cassés. On n'a pas choisi d'être là, mais on choisit de rester. Putain, c'est dingue, quoi. C'est dingue, les gamins, comment tu les mets en France. Ah ouais. Super public, hein. Et puis les enfants à la fin, c'était tellement beau. On a décidé, ça va être dur, je vous cache pas, qu'il y a un cric là, j'ai l'émotion qui monte. On a décidé de les faire venir sur scène pour qu'ils aient un souvenir mémorable. Les amis, un maximum de bruit. Pour Stella, Neo, Isaac et Jonas, s'il vous plaît. Je voudrais être le plus grand, le plus fort de tous les pères. Pour que tu me dises. Merci. Bravo.
Olympia, les gars. Frère, c'est un peu d'Olympia. Mais ce public en même temps, les gars. Non, les gars, c'est pas de la pizza, ce public. Ils sont au top. Ils sont monumentaux. Par contre, c'est quoi en termes de physique? Je trinque avec la caméra. C'est très rare que ça démarre si vite. Et ils tiennent sur, non, sur la fin un peu plus. Sur la toute fin un peu plus. Ils veulent rentrer. C'est non, mais ils veulent pas rentrer, mais c'est trop dur. C'est un ouais, cours de Zumba. Ouais. Ah ouais, putain, mais vous faites comment? C'est lui la planète Terre. Fais-moi un bisou. Comment tu veux que je vive si j'ai pas de bisou? Fais-moi un bisou. Comment tu veux que je vive? Vite, bisou. Vous avez pas eu peur sur scène? Non. Mais moi j'aurais eu peur à votre âge. Tu sais ce qu'il aurait fallu faire? Mais je suis dégoûté avec Manon. Il aurait fallu faire une vidéo, il aurait fallu dire bon l'album, ok, là, là, vous avez trouvé. C'est simple, dans deux semaines, il s'auto-détruit. Et qui va le remplacer? Ta-ta-da-da. Le même album, édition rock. T'es pas la première personne. Je suis vraiment une merde. On y pense pas. Avoir dit avant, je suis dégoûté. Mais il... Mais là, on va préparer, on va rester là-dessus maintenant. Et il faut sortir un petit peu rock dans l'esprit de ça et tout, et ce sera cool, tu vois. Exactement. Le public était bouillant. Bouillant. Non, il n'y a pas de rêve. Les premiers youtubeurs à faire des tournées comme ça, etc. Il n'y a pas de rêve. Et c'est, là, c'était putain de vite. Donc je suis vraiment content de ça, les gars. C'est vraiment, vraiment beau, les gars. Franchement, merci beaucoup. Là, je suis fier de vous, les gars. Franchement, je suis fier de vous. Le sprint pack, je suis en mode putain, c'est bien. C'est bien vous. En fait, j'imagine être les gens qui étaient là ce soir, qui me suivent vos vidéos, qui nous aiment et tout, et qui voient ça et qui ils peuvent que aimer. Et c'est ça, c'est là où vous avez réussi votre mission. Tu peux pas comprendre tes gros jeunes, tu peux pas comprendre tes